Bonjour à tous déjà, merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que vous êtes tous aussi passionnés que moi par l'ULI, ça tombe bien. Le thème en fait de cette conférence aujourd'hui est un petit peu particulier pour moi, parce qu'effectivement je travaille à France Musique habituellement, donc je fais beaucoup de la musique de l'ULI. Et aujourd'hui je vais essayer plutôt de m'attarder sur le personnage et sur son caractère. Qu'on connaît, qui est assez turbulent, et également aussi peut-être sur quelques petites choses qu'on ne sait pas forcément en fait sur ce compositeur. Pour moi, le plus grand compositeur du XVIIe siècle, pour la bonne et simple raison qu'il a réussi à effacer tous les autres. Voilà. Enfin, c'est la première fois que j'ai rencontré Lully. Je vais peut-être commencer par ça. La première fois que j'ai rencontré Lully. C'était pendant mes études, et c'était par l'intermédiaire de Louis XIV. J'ai travaillé assez longtemps sur le voyage du jeune roi Louis XIV dans le sud de la France, un épisode malheureusement assez méconnu de l'histoire. Et c'est par du coup le biais de Louis XIV que je suis arrivé à Lully, et que je me suis rendu compte très très vite que effectivement les deux destins sont vraiment très intimement liés. Ils sont intimement liés, et je peux même dire que si Émile Cioran a dit que Dieu doit tout à Bach, je peux vraiment vous assurer que Louis XIV lui-même doit pas mal de choses à Lully également. Et puis Lully, c'est vraiment un peu un personnage de série américaine, il est très attachant. Je ne sais pas si vous êtes amateur de série américaine, mais cette série assez connue, House of Cards, avec effectivement donc cet homme qui cherche à tout prix à prendre le pouvoir et puis ensuite surtout à le garder. Lully, c'est un petit peu ça, mais version musique classique. Hein, il va tout faire pour essayer effectivement de prendre le pouvoir sur la musique, et il va tout faire également pour essayer de le garder. Pourquoi ? Parce que Lully, c'est quelqu'un qui a très très vite compris, et ça c'est passionnant, qu'il avait tout à gagner de devenir l'instrument du roi. Il n'y a pas de plus belle image, je trouve, c'est vraiment l'instrument du roi, Lully. C'est quelqu'un qui, finalement, c'est le roi a envie de rire, hein. Lully se fait bouffon, le roi aime, Lully lui fait des belles comédies ballets amoureuses. Le roi veut montrer sa puissance, Lully le transforme en Jupiter, et quand Louis XIV va décider finalement de sortir des références antiques, de se faire représenter tel qu'il est lui-même et non plus comme justement Jupiter ou Apollon, Lully va créer pour lui la tragédie lyrique qui va être l'instrument finalement du pouvoir de Louis XIV. Mais pour vous raconter finalement ce que vous ne savez peut-être pas sur Lully, il faut en passer par ce que personne ne sait. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Lully. Il y a beaucoup de on-dit, j'ai malheureusement reposé sur beaucoup de on-dit à travers cette conférence. Les on-dit ont le gros avantage d'avoir toujours une petite parcelle de vérité. Voilà, donc on va se concentrer sur cette parcelle de vérité. La première personne qui va finalement nous introduire Lully et ses origines, qui va nous raconter ses origines, une fois n'est pas coutume, c'est la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, frondeuse devant l'histoire. Elle nous écrit en 1659 dans ses mémoires, je cite, « On dansa un petit ballet, assez joli pour avoir été fait en un moment. Mais le roi a un baladin, nommé Baptiste, qui triomphe à ces choses-là. Il fait les plus beaux airs du monde. Il est florotin. Il était venu en France avec feu mon oncle, le chevalier de Guise, lorsqu'il revint de Malte. Je l'avais prié de m'amener un Italien pour que je puisse parler avec lui. Après avoir été quelques années avec moi, je fus exilé. Il ne voulut pas demeurer à la campagne et me demanda son congé. Je lui donnai, et depuis, il a fait fortune car c'est un grand baladin. » En fait, la grande mademoiselle va nous donner deux informations qui seront à peu près les seules qu'on aura pendant très longtemps, à savoir que, un, il est florentin, et que, deux, il est venu en France pour parler italien avec la cousine de Louis XIV. Très bien. D'où vient-il à Florence? On ne le sait pas. Dans quel milieu a-t-il grandi? On ne le sait pas. Comment est-ce que l'on arrive à la musique? On ne le sait pas. Comment est-ce qu'il passe d'ailleurs de prof de langue à baladin? On n'en sait absolument, on n'a aucune information sur tout ça.
Et ce qu'il faut savoir en fait avec Lully, c'est que non seulement il va jamais se dévoiler par lui-même, mais qu'en plus de ça, plus il va monter dans l'échelle sociale, plus il va chercher à gommer ses origines. Sur son acte de mariage, il se présente comme le fils de Laurent de Lully, gentilhomme florentin, un noble. Mais problème, quelques années plus tard, Louis XIV va justement lui proposer de l'anoblir. Petit embarras, on est noble ou on ne l'est pas. Résultat, Lully va faire quelque chose, et c'est vraiment un trait caractéristique de sa manière d'être, il va filouter. C'est-à-dire qu'il va gentiment décliner l'invitation de Louis XIV d'obtenir ses lettres de noblesse, et il va préférer acheter, on est vraiment à toute fin de sa vie, acheter une charge de secrétaire du roi, ce qui lui permettra d'obtenir une noblesse implicite. Noble, Lully ne l'était pas, ça on le sait. Son acte de naissance a été découvert bien plus tard, à la paroisse Santa Lucia sul Prato, à Florence, entre l'Arno et l'actuelle gare de Santa Maria Novella, pour ceux qui connaissent. On peut y lire que le lundi 29 novembre 1632 a été baptisé Jean-Baptiste, fils de Lorenzo, fils de Maldo Lully et de Catarina, fille de Gabriello del Serra. Le bébé est né la veille. Son père n'est pas gentilhomme, mais meunier. C'est pas pareil. Et sa mère est elle-même fille de meunier. La condition est correcte. Nous n'en saurons pas plus. D'ailleurs, les parents disparaissent assez vite du paysage. On dit, le premier, on dit que le père est sans doute venu au moment où son fils allait se marier et qu'il a gentiment été congédié par Lully. En réalité, on n'a pas vraiment de traces. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on ne les verra plus jamais dans la vie de Lully. Est-ce que les contemporains ont été conscients de la supercherie de Lully à ce moment-là? Tout laisse à penser que non, hein, qu'ils avaient bien conscience que Lully n'était pas si gentilhomme qu'il voulait le paraître. Parmi ses grands ennemis, il y en a un sur lequel on va beaucoup s'attarder, c'est le Sieur Guichard. Le Sieur Guichard n'aimait vraiment, vraiment pas Lully. Et il se moquera assez facilement des origines de Jean-Baptiste, et notamment dans ces mots que je trouve d'une violence assez typique de l'époque. Chacun sait de quelle trempe et de quelle farine est Jean-Baptiste. Le moulin dont son père était meunier et le blutoir de ce moulin qui a été son premier berceau marquent encore la bassesse de son origine. Et puis, il y a ce petit pamphlet sur lequel je reviendrai plus tard parce qu'il est assez intéressant, qui s'attaque non seulement à ses origines, mais aussi à ses mœurs légères. Baptiste est fils d'une meunière, il ne saurait nous le nier, il ne chevauche qu'en meunier, toujours sur les dernières. Oui. On y reviendra. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'un fils de meunier florentin, quelqu'un qui vient quasiment de nulle part, devient surintendant de la musique du roi. Et en plus de ça, Lully est rapide. C'est un trait assez caractéristique de sa carrière. Et une fois qu'il va quitter la grande mademoiselle, il va monter très très vite. Alors il va monter très très vite, mais parce qu'il va partir de très très bas aussi. On a parlé tout à l'heure de son côté prof de langue, comme je disais. Donc effectivement, on sait qu'il a fait la conversation avec la grande mademoiselle, mais on sait aussi qu'il passe par les cuisines de la grande mademoiselle. Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu plus flou. Pour quelles raisons? Certains ont avancé que c'était parce que la grande mademoiselle le trouvait assez laid. Voilà, je vous laisse en juger. En tout cas, il passe effectivement par les cuisines, sans doute pour les récurer. C'est très rapide. Et quand il remonte par les escaliers, il remonte en faisant beaucoup de bruit. Une théorie assez intéressante a été développée par le plus grand biographe de Lully, qui est Philippe Bossan, qui est l'auteur d'une biographie qui s'appelle Lully ou le musicien du soleil. Et si vraiment le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à vous plonger dedans, parce qu'elle est très intéressante. Et selon lui, Lully n'était pas n'importe quel gamin, déjà à Florence, n'était pas n'importe quel gamin dépêché au hasard d'une petite ruelle florentine. C'était pas un petit saltimbanque.
Philippe Bosson pense qu'il y a sans doute un des plus grands castrats de l'époque, Ato Melani, qui chante en plus à l'époque l'Orfeo de Rossi, un des premiers opéras à Florence, qui aurait sans doute déjà remarqué que le gamin a quelques prédispositions et qu'il sait déjà manier sans doute le violon, parce que c'est l'instrument qu'on manie le mieux, en tout cas dans la rue à l'époque. Et Ato Melani a ce gros avantage d'être très connu déjà un peu partout en Europe, particulièrement à Florence, et de compter parmi ses spectateurs un principal ministre français du nom de Mazarin. Et s'il y a bien une personne qui va nous aider à comprendre comment est-ce que Lully va pouvoir monter assez rapidement, c'est bien Mazarin. Mazarin est incontournable, surtout à partir de l'automne 1652. C'est la fin de la Fronde, je ne vais pas revenir dessus. Louis XIV en sort, voilà, grand vainqueur, le futur roi de guerre. Mais c'est surtout Mazarin qui en sort réellement vainqueur et le parti des Italiens. C'est ça qui va nous expliquer pourquoi est-ce que finalement Lully quitte l'entourage de la Grande Mademoiselle, l'entourage des Frondeurs, pour rejoindre le parti des Italiens. Mais à ce moment-là, en fait, il fait finalement partie, c'est qu'un Italien parmi d'autres. On sait qu'il danse bien, on sait qu'il joue sans doute très bien du violon, mais ça s'arrête à peu près là. Et des Italiens à Paris, il faut vraiment se représenter l'époque, il y en avait vraiment énormément. Tout ça nous mène assez rapidement en février 1653, donc on est vraiment à la sortie de la Fronde. Et là apparaît sur scène Lully dans le ballet de la nuit. Le ballet de la nuit n'a pas été composé par Lully, aucune pièce du ballet de la nuit n'a été composée par Lully, on l'a cru hein, pendant un temps. Mais en tout cas, Lully va avoir l'occasion à ce moment-là de danser, de faire montre de ses talents de danseur et surtout de faire montre de ses talents de comique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, on le sait, fait rire. Il provoque l'hilarité quand il incarne ses personnages, qui sont souvent des personnages effectivement assez badins. Le spectacle est quand même assez incroyable, hein, ce ballet de la nuit, on en a beaucoup parlé. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir revenir dessus assez rapidement, mais voilà, c'est 45 entrées, c'est le ballet qui finalement est là pour réglementer l'univers après la Fronde. On est là pour remettre un petit peu les choses à l'endroit. Et là, du coup, donc, celui-ci fait le pitre, hein, il provoque l'hilarité générale. Et c'est vraiment un point qui est assez intéressant parce que finalement, le premier Lully qui va plaire au roi, c'est pas le compositeur, sans doute pas le musicien, peut-être un petit peu le danseur, mais en tout cas, c'est plutôt effectivement le bouffon, celui qui va justement faire rire le jeune roi. Il y a une anecdote d'ailleurs, encore on dit qu'un jour, la grande mademoiselle est passée devant le piédestal d'une statue et aurait dit, tiens, on devrait y poser une statue, et que Jean-Baptiste Lully se serait vite fait déshabillé derrière un bosquet, aurait pris une posture de chérubin pour justement faire rire la grande mademoiselle. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a quand même un fond qui est que toutes les anecdotes de l'époque, les premières traces finalement qu'on a de Lully, sont des traces où effectivement Lully fait rire. Et ce qui est impressionnant, c'est que donc entre cette période de 1653, très vite, Lully en fait va gommer cette origine de bouffon. En mars 1653, donc on est vraiment à peine un mois et demi après le ballet de la nuit, on apprend que le roi étant à Paris, sur l'assurance qu'on lui a donnée que Baptiste s'était acquise en la composition de la musique et de l'affection qu'il avait pour son service, Sa Majesté l'a retenue pour la servir en la charge de compositeur de sa musique instrumentale au lieu du feu sieur Lazarin pour en jouir et user par les mêmes honneurs, autorités, etc., etc. Donc notre Lully obtient une petite bande de violon et il commence à composer. Il compose quelques petites pièces. Faut suivre ça. Ah voilà. Ouais, non. Il commence à composer quelques petites pièces. On sait qu'il y a un ballet de Psyché qui a malheureusement été perdu. Et surtout, il continue à danser. Et de plus en plus, on le voit danser avec le roi. Dans les noces de Pélée de Tétis, le ballet du temps.
le ballet des plaisirs, le ballet de Psyché, le ballet de la galanterie du temps. Entre 1653 et 1670, ils danseront ensemble une quinzaine de fois. C'est beaucoup. Et on sait que... Enfin, pardon, et surtout, on devine l'intimité qui a pu se nouer entre Louis XIV et Lully à ce moment-là. En fait, on a vraiment deux personnes qui, dans ce tournant des années 1650, comprennent que la musique n'est pas qu'un divertissement de cour, c'est pas que quelque chose de joli, mais que ça a aussi un intérêt politique. Louis XIV aime la musique, hein, on sait que voilà, on sait qu'il joue de la guitare, est-ce qu'il la gratte, est-ce qu'il la joue vraiment, on ne sait pas. On l'a souvent réduit d'ailleurs à cette guitare de manière un petit peu trop rapide, mais on sait aussi qu'il adorait chantonner les airs d'opéra, il avait une très très bonne mémoire, donc on sait qu'il aimait bien chanter les airs d'opéra, y compris d'ailleurs pour le jour de la mort de son frère, ce qui est curieusement assez mal passé. Mais surtout, Louis XIV comprend très vite que pour incarner l'État, il doit se montrer sur scène, c'est ce fameux le roi danse. Et Lully sait immédiatement que en devenant finalement l'instrument de Louis XIV, il arrivera très très loin. Les deux carrières, entre guillemets, suivent d'ailleurs quasiment la même ascension. En 1659, Louis XIV part donc avec la cour faire son grand périple dans le sud de la France, qui les mène en destination finale à Saint-Jean-de-Luz pour son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche. Et évidemment, Lully est dans les bagages. Il n'est pas difficile de penser qu'il a sans doute composé une petite chose pour cette étape à Rochefort, où le roi retrouve Marie Mancini, son amour interdit. Est-ce qu'il joue le jour du mariage à Saint-Jean-de-Luz? Est-ce que c'est lui, par exemple, ici, avec cette partition? On l'a souvent pensé, certains l'ont souvent pensé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reviendra sur le rôle de cette partition et sur le goût que Lully, sur les représentations que Lully avait avec une partition ou avec un petit bâton de direction. Et je dis bien petit bâton, parce qu'effectivement, là, c'est une anecdote assez connue, mais il dit qu'il s'est fracassé le pied avec un bâton de direction, et on verra du coup que, vu la taille du bâton, c'était peut-être un petit peu difficile. Toujours est-il que Lully est dans les bagages de ce long voyage. Il faut quand même se représenter la cour qui se déplace à l'époque. On parle vraiment de plusieurs centaines de personnes. On parle d'un voyage qui est particulièrement long. En plus de ça, on sait que les négociations sont particulièrement difficiles avec l'Espagne. Mazarin est un petit peu en galère au niveau de la frontière. Du coup, on va allonger encore ce voyage en portant le roi vers Marseille. Dernière fois d'ailleurs qu'un roi de France rentre dans Marseille. En tout cas, il est là et il est d'ailleurs toujours là en août, en août 1660, quand la cour, cette fois-ci, revient à Paris. Et là, ces fêtes d'entrée du roi dans Paris en 1660, c'est vraiment quelque chose d'assez monumental. Hein, le défilé commence à 4h du matin, il se terminera tard dans la nuit, c'est des fêtes assez monumentales, et des fêtes que Mazarin, c'est-à-dire le rôle politique, que Mazarin a quotidiennement ordonnancé sur les deux dernières années. Donc c'est dire un peu l'importance de ces fêtes. Le seul petit problème avec ces fêtes, c'est que l'opéra qui a été prévu pour le mariage de Louis XIV à Paris, enfin pour les fêtes du mariage de Louis XIV à Paris, qui est un opéra de Francesco Cavalli, qui s'appelle Ercolamente, ne pourra pas être donné au moment des fêtes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on lui a commandé un théâtre assez particulier, qu'on appelle la salle des machines ou le théâtre des Tuileries, qui a malheureusement brûlé pendant la Commune de Paris. Et cette salle est tellement gigantesque, elle a été commandée à Vigarani, qui est le plus grand ingénieur du XVIIe siècle, enfin une sommité. Mais bref, on met beaucoup de temps. Et finalement, cet opéra ne sera donné qu'en 1661. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'entre 1659 et 1661, hein, ce sont deux petites années, mais tout a changé, à la fois pour Louis XIV et pour Lully.
Pour Louis XIV, on le sait un petit peu mieux, hein. Selon la formule consacrée, il a pris le pouvoir, décidé d'assumer le règne sans principal ministre. Et pour le second, il cesse petit à petit d'être Baptiste pour devenir Lully, surintendant de la musique du roi. Et cet opéra qui a été donné finalement tardivement, cet Ercolamente italien, ben Lully en fait va purement et simplement le saboter. C'est vraiment un bon trait bien lulliste. Il va tout faire pour que le public le déteste. À la tête de ses musiciens, il va plomber, il n'y a pas d'autre mot, la musique de Cavalli. On a plein de textes de l'époque qui nous décrivent très très bien, pour mieux mettre en lumière, par contraste, sa propre musique. Les petites pièces de ballet qu'il a lui-même composées en intermède. Évidemment, on retiendra de tout ça pendant très longtemps la musique de Lully et celle de Cavalli tombe aux oubliettes. L'âge d'or italien commence en fait à prendre sa fin avec la mort de. Enfin, l'âge d'or artistique italien commence à prendre sa fin avec la mort de Mazarin et Lully l'a compris, le comprend très vite. Son but, ça va être de devenir français et de créer le grand opéra français, même s'il ne le sait pas encore. En 1661, la carrière de Lully, c'est vraiment une autoroute à grande vitesse. Et plus il avance, plus il cherche à faire oublier ses origines. Fin 1661, il est nommé surintendant de la musique du roi, sans doute avec l'appui de Colbert. Ça, il l'aura toute sa vie, c'est pas rien dire. Et c'est encore avec un i, fin 1661, qu'il demande ses lettres de naturalité. En février suivant, il est officiellement français et devient Lully, cette fois avec un Y. Et la première fois qu'il va signer avec ce Y, ça va être le jour de son mariage, le 24 février 1662. C'est à cette date qu'il épouse Madeleine Lambert, la fille de Michel Lambert. C'est un personnage important, la dot n'en sera pas moindre, 20 000 livres. Puisque Lambert est maître de la musique de la chapelle du roi, de la chambre du roi, pardon, et l'un des plus grands chanteurs de son siècle. Et qui assiste au mariage de Lully? Pas moins que Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, la reine-mère, Colbert, tout ce petit monde est au mariage de Lully. D'ailleurs, Louis XIV. Enfin, le roi et la reine, pardon, seront parrain et marraine du premier fils de Lully, Louis, évidemment, qui naît en août 1664. Il faut quand même bien se représenter ces années 1660, elles sont vraiment, vraiment incroyables, à la fois pour le règne de Louis XIV, ça on le sait, mais c'est aussi pour Lully la toute première collaboration avec Molière. Ce sont les Fâcheux, presque la toute première, on pourrait dire la toute première comédie-ballet, même si on peut s'écharper très longtemps sur est-ce que c'est une vraie comédie-ballet, est-ce que ce n'en est pas vraiment une. On va dire quand même que c'est la première comédie-ballet, ne serait-ce que parce que c'est la première collaboration entre Lully et Molière. Mais on se souviendra surtout du cadre des Fâcheux, et ça c'est vraiment génial. On est à Vaux-le-Vicomte, on est en août 1661, la pièce a été commandée par le surintendant des finances, Fouquet. Les fêtes sont divines, on a les feux d'artifice, on a évidemment le grand dîner pour 1 000 couverts supervisé par Vatel, et on a sur le chemin du retour cette phrase du roi à sa mère rapportée par l'abbé de Choisy: Ah madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à tous ces gens-là? La décision d'enfermer Fouquet, on le sait, en fait, a déjà été prise hein, quelques mois auparavant. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que Louis XIV va trouver à ce moment-là une revanche parfaite en utilisant ce duo formidable, ces deux Baptistes. Aux fêtes de Vaux, Louis XIV répond avec une semaine de spectacle, les fêtes des plaisirs de l'île enchantée. Commandé par Louis XIV pour honorer sa mère, sans doute surtout un petit peu la marque, sans doute, pardon, sans doute surtout Mademoiselle de la Valière, sa favorite de l'époque. Elles ont lieu du 7 au 14 mai 1664 à Versailles. Et on pourrait parler des heures hein, de ces fêtes. Ce sont les premières fêtes du grand siècle
à Versailles, qui est complètement en château. C'est la première fois que Louis XIV fait venir toute la cour pour assister justement, pour assister à ces fêtes. Et c'est la première fois également que Lully et Molière vont travailler ensemble sous patronage royal. On ne peut pas dire que cette collaboration, qui s'appelle La Princesse des Lides, restera dans les mémoires. Molière est assez pressé par le temps, c'est une habitude hein, chez lui. Je ne sais pas si vous étiez d'ailleurs à cette conférence sur Molière, on a dû vous dire. Hein, Molière était tout le temps très pressé, il finissait parfois un peu rapidement hein, ce qu'il entreprenait. Bref, Molière est pressé, il versifie seulement le premier acte, une partie du deuxième, et puis surtout, en fait, la pièce dont tout le monde va parler de ces fêtes de l'île enchantée, ce serait surtout Tartuffe, le scandale qu'on connaît, etc. Mais par contre, ce qui est certain aussi, c'est qu'à ce moment-là, première collaboration, on sait que Lully et Molière ont très très vite compris ce qu'ils avaient à gagner à travailler ensemble. L'histoire ne nous dit pas, par contre, si Molière a très bien compris ce qu'il avait à perdre à travailler ensemble. Et on connaît la postérité du duo, L'amour médecin, 1665, La pastorale comique et le Sicilien, 1667, Georges Dandin ou Le mari confondu, 1668, Monsieur de Pourceaugnac, 1669, et bien sûr, Les amants magnifiques et Le bourgeois gentilhomme, 1670. Et si les comédies-ballets apportent autant de notoriété, on peut dire, à Molière qu'à Lully, par contre, elles vont apporter beaucoup plus d'argent à l'un qu'à l'autre. C'est-à-dire que Molière, évidemment, reproduit ensuite ses pièces dans son propre théâtre, que généralement ça marche assez bien, et du coup va assez facilement se remplir les poches. Mais ce qui explique que quand Lully, par exemple, fait construire en 1670 son hôtel, toujours visible d'ailleurs au croisement de la rue des Petits-Champs et de la rue Sainte-Anne à Paris, il doit emprunter 11 000 livres à Molière. En tout cas, il emprunte 11 000 livres à Molière. Ils s'entendent bien, hein, on le sait, ils s'entendent encore bien. Sans doute, Lully a-t-il préféré s'adresser à un ami plutôt qu'à un prêteur ou plutôt qu'à une autre personne. En tout cas, ce choix de demander à Molière est quand même assez intéressant, parce qu'il prouve quand même une certaine intimité, en tout cas dans ces années 1670. Par contre, Lully reste Lully. J'ai commencé quand même à vous raconter un petit peu son caractère, qui est quand même assez bien trempé. Et donc, ce n'est pas vraiment le genre d'homme à partager l'affiche très très longtemps. Surtout s'il a des raisons de se sentir lésé, ce qui est le cas avec les pièces qui sont remontées et dont les bénéfices arrivent surtout à Molière. Donc, la relation va très rapidement tourner au vinaigre. Un événement va accélérer cette rupture. En février 1670, pendant une représentation des Amants magnifiques à Saint-Germain-en-Laye, Louis XIV se foule la cheville. C'est anodin, mais le roi ne dansera plus. Neptune, qu'il interprète alors, sera son dernier rôle sur scène. S'il ne monte plus sur scène, à quoi bon continuer à lui présenter des comédies-ballets? Lully et Molière s'oriente tout doucement, s'adapte et monte en 1671, quelques mois plus tard donc, une tragédie ballet cette fois-ci, Psyché, pour le fameux théâtre des Tuileries dont on a parlé plus tôt, et qui, vu la somme colossale qu'il a coûté, c'était quand même bien essayer de le rentabiliser un petit peu. Une nouvelle fois, Molière n'a pas beaucoup de temps à consacrer au projet, et il fait appel à Corneille et à Quinault, pour la versification de la pièce. Psyché fait un carton. Et surtout, Psyché rapporte beaucoup d'argent. 1 500 livres par représentation, on en fait 38, ça commence à représenter une certaine somme. Problème, Lully ne touche pas un copec de ce Psyché. Contrairement à Molière qui, lui, se remplit les poches. À quel point a-t-il été vexé, on ne le saura jamais. Toujours pas de traces hein, chez Lully. Toujours est-il que Molière va payer très très cher cette petite inégalité de traitement. En mars 1672, un an plus tard, Lully va aller sortir de sa prison un certain abbé Pierre Perrin et lui rachète devant notaire le privilège de l'opéra.
Qui est cet abbé Pierre Perrin? J'ai envie de vous dire, c'est un peu le dindon de la farce. C'est un poète, c'est quelqu'un qui a visiblement eu du mal à gérer ses affaires, mais c'est quelqu'un qui a quand même acheté en 1669 le privilège de représenter et chanter en public des opéras et représentations en musique et en vers français, pareilles et semblables à celles de l'Italie. Donc, en dehors de Pierre Perrin, normalement, personne ne peut chanter de l'opéra. Et c'est ça qui va intéresser Lully, évidemment. Problème, c'est qu'effectivement, l'abbé est un mauvais gestionnaire, il contracte beaucoup de dettes, il finit en prison, où Lully va le chercher, le traîne devant le notaire, et pour 15 000 livres, lui rachète son privilège. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne faut quand même pas se dire que Lully était le seul à avoir eu cette idée. On sait qu'ils sont assez nombreux, hein, les prétendants à ce privilège de l'opéra à l'époque. Mais par contre, on sait aussi qu'une fois encore, Colbert a sans doute largement appuyé la demande de Lully, ce qui lui permet en tout cas de récupérer ce privilège. Et avec ce privilège, Lully va littéralement torpiller Molière. Il réussit à faire interdire à toute personne de faire chanter aucune pièce entière en France, soit en vers français ou autre langue, sans la permission par écrit dudit sieur Lully, à peine de 10 000 livres d'amende et de confiscation des théâtres, machines, décorations, habits, etc., etc. Et comme si ça ne suffisait pas, il réussit aussi un petit peu plus tard à limiter le nombre des musiciens qui peuvent être présents dans les formations musicales parisiennes. Autant dire qu'à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce que Lully va être le seul nom qui restera dans l'histoire, entre guillemets, hein, évidemment. Non seulement Molière ne peut plus donner de comédie-ballet, mais en plus, le compositeur les réédite à son nom. Et il ne s'arrête pas là. Il installe sa première académie d'opéra dans la salle du Bel Air, rue de Vaugirard, à 2 pas des Jardins du Luxembourg, mais elle s'avère très vite trop petite. Donc Lully va profiter de la mort de Molière en février 1673 pour récupérer gratuitement la salle du Palais Royal et virer la troupe de Molière. C'est à cet endroit que naît la tragédie lyrique, la tragédie en musique, le premier opéra français, Cadmus et Hermione, sur un livret de Quinault qui devient dès lors son librettiste attitré. Et de 1673 à sa mort 10 ans plus tard, Lully règne en seul maître sur la musique. Et il faut quand même souligner la prouesse. Lully n'est clairement pas le seul compositeur du XVIIe, et encore moins le seul compositeur de qualité, mais il a réussi à faire en sorte d'être le seul nom dont on va se souvenir. Parce que oui, il y a bien Marc-Antoine Charpentier, oui, il y a bien Campra plus tard, il y a évidemment bien Clérambeau. Mais enfin, quand on ne peut pas mettre plus de 6 violons sur une scène, c'est quand même assez compliqué de présenter de l'opéra. Alors que reste-t-il? Les messes, Magnificat, le Son de Ténèbres et autres Te Deum. Et Charpentier devra attendre d'ailleurs la mort de Lully pour présenter son premier et son seul opéra, tardivement, Médée. Et là encore, revanche de Lully post-mortem. Les lullistes lanceront une cabale contre cet opéra qui sera effectivement un échec. Donc à la fin des années 70, 1670, Lully est compositeur de la musique de la chambre du roi, surintendant de sa musique, maître de musique de la famille royale, seul détenteur du privilège de l'opéra. Il reste en fait qu'une seule étape à franchir et il l'a franchie dès le mois de décembre 1681. C'est à cette date qu'il acquiert auprès de la veuve du sieur Joseph Clausel la charge de secrétaire du roi pour la coquette somme de 63 000 livres tournois. Avec cette charge, Lully devient de facto noble, ce qui lui évite d'ailleurs les petits tours de passe-passe sur la noblesse de son père, et il va avoir avec cette charge 1 600 livres de rente annuelle. Sans oublier, bien sûr, les revenus liés à ses autres charges, qu'on estime à environ 30 000 livres par an, et les sommes touchées pour les spectacles. Donc on ne se trompe pas, quand on parle de Lully au XVIIe siècle, dans les années 1670, on parle sans doute de l'un des meilleurs hommes d'affaires qu'a connu le monde du spectacle. En témoigne d'ailleurs
les terres qu'il achète en 1682 à Ville-l'Évêque, un mot qui correspond peu ou prou aujourd'hui au quartier de la Madeleine. Le quartier est très demandé, les projets immobiliers de Lully font un peu grincer des dents, et on a ce témoignage du premier président qui écrit « Faut-il qu'un badin ait la témérité d'avoir de telles terres ? La richesse d'un homme de cette qualité est plus considérable que celle des premiers ministres des autres princes de l'Europe. » Sans doute qu'il exagère un petit peu, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'à cette période, Lully est très riche. À sa mort, il possède 4 maisons dans les plus beaux quartiers de la capitale, ainsi que plusieurs appartements rue Royale et rue des Petits Champs, pour une valeur totale de près de 250 000 livres, auxquelles s'ajoutent quelques résidences à Puteaux, à Sèvres, pour 50 000 livres. Le plus difficile, finalement, en fait, quand on est arrivé si haut, et la lumière fut. Le plus difficile, finalement, quand on est arrivé si haut, c'est encore de savoir y rester. Et c'est à ce jeu-là, finalement, que Lully va se retrouver un petit peu moins efficace que dans le reste. Comme on l'a dit, le destin de Lully est intimement lié à celui de Louis XIV. Et lorsque le compositeur invente la tragédie lyrique avec Cadmus et Hermione en 1673, c'est avant tout pour servir le monarque. Tous les opéras de Lully chantent les louanges de Louis XIV. Symboliquement, dans les thèmes choisis, Louis XIV est d'ailleurs tour à tour Cadmus, Atys, Jupiter, Roland, tout ce que la mythologie a de plus glorieux, courageux, héroïque, divin comme mortel, évidemment servira de symbole pour glorifier Louis XIV. Mais en dehors du symbole, Lully commence chacune de ses tragédies lyriques par un prologue à la gloire du roi. Et il suffit de lire en fait les paroles du prologue d'Isis en 1670, on est en plein dans la guerre de Hollande en plus de ça, pour mesurer en fait toute la portée, tout le travail en fait que Lully a réussi à faire en faveur de Louis XIV. Publions en tout lieu du plus grand des héros la valeur triomphante, que la terre et les cieux retentissent du bruit de sa gloire éclatante. C'est lui dont les dieux ont fait choix pour combler le bonheur de l'Empire français. En vain pour le troubler, tous unis, tout conspire. C'est en vain que l'envie a ligué tout, tant de rois. Heureux l'Empire qui suit ses lois. Autant vous dire qu'à l'époque, effectivement, quand on commence chaque représentation d'un opéra par un petit prologue comme ça, on a envie d'aimer Louis XIV. Surtout que c'est très... Enfin, évidemment, ces opéras sont présentés à chaque fois à Versailles, tout d'abord, ou à Saint-Germain-en-Laye, donc très rares occasions, mais surtout à Versailles, dans un premier temps. Et ensuite, évidemment, ils sont donnés dans tout Paris. On imprime... Ce qui se fait énormément à l'époque, ce qui est très amusant, on imprime les airs les plus connus, les airs à la mode. On les imprime, on les échange sur des feuillets. Tout le monde connaît en fait les airs de Lully, et tout le monde en connaît au moins les prologues. En témoigne d'ailleurs le nombre de parodies qui sont faites de ces prologues sur les thèmes les plus divers. Et pourtant, depuis Isis, en 1677, Lully va quand même perdre au fil du temps l'oreille du roi. C'est assez difficile à imaginer, mais oui, il va la perdre. Pour deux raisons. La première, c'est l'influence grandissante de Madame de Maintenon dans les années 1670. Les temps sont de moins en moins au spectacle, ou en tout cas plus au même spectacle. On va un peu plus à la chapelle. Un peu moins à la légèreté également, même si on a eu tendance aussi à disproportionner l'influence de Madame de Maintenon. On sait qu'il y avait déjà une prédisposition assez naturelle de Louis XIV à ce moment-là. Toujours est-il que les temps effectivement sont moins à la légèreté. Et la seconde raison est très liée du coup à la première, c'est que ces mœurs légères, homosexuelles, le vice italien, comme on l'appelle à l'époque, c'est assez amusant parce qu'à la même époque, on parlait du mal français en Italie pour désigner la petite vérole. Ça fait un petit pendant. Donc ce vice italien qu'on rapporte à Lully, sur lequel le roi a d'ailleurs fermé ses yeux assez facilement pendant toute sa vie, ce vice italien se fait un petit peu trop remarquer. En vrai, que sait-on vraiment de la sexualité de Lully ? Je ne sais pas si ça vous intéresse.
Que sait-on de la sexualité de Lully? À vrai dire, pas grand-chose. On pense qu'il était bisexuel. On sait qu'il était libertin. Madeleine Lambert, donc l'épouse Lully, lui a donné 6 enfants: Catherine Madeleine, Louis, Jean-Baptiste II, Anne-Gabrielle Hilaire, Jean-Louis et enfin Louise-Marie. Ils sont tous nés entre 1663 et 1668. Toute la famille vit dans l'hôtel Lully avec beau-papa, Michel Lambert, et nous n'avons aucune trace d'une plainte, par exemple, de Michel Lambert contre les mœurs dépravées de son beau-fils. Mais il faut surtout dire une chose, c'est que des générations d'historiens et de musicologues ont jeté un voile pudique sur l'homosexualité de Lully. Ce qui fait qu'il y a un vrai travail encore aujourd'hui à faire sur ce champ. Quoi qu'il en soit, 1685, la coupe est pleine. Louis XIV apprend que le surintendant de sa musique dort tous les soirs chez le page Brunet, 14 ans. Au scandale de sa femme et de ses enfants, dit-on alors, on s'en doute, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les rues de Paris, on en rigole, on en fait des chansons. Il y a celle que je vous ai citée hein, au tout début de cette conférence. Il y en a une autre qu'on chante sur l'air de Roland, du prologue de Roland, pardon. C'est le roi qui te menace. Ah, Lully, songe à changer. Quelque vœu que tu lui fasses, il ne veut point y changer. On dit que Lully échappe de peu à la prison, contrairement au page Brunet et à quelques autres. Page Brunet, on l'envoie à Saint-Lazare. Hein. Voilà. Mais donc Lully échappe à la prison, mais il n'échappe pas à la disgrâce. Le roi n'assiste pas aux représentations d'Armide données quelques mois plus tard. C'est la première fois. L'œuvre n'est d'ailleurs pas présentée à Versailles, mais à Paris. Cette disgrâce, Lully ne s'en remet pas. La partition d'Armide, qu'il édite la même année, contient une adresse au roi. Sire, de toutes les tragédies que j'ai mises en musique, voici celle dont le public a témoigné être le plus satisfait. C'est un spectacle où l'on court en foule, et jusqu'ici, c'est celui qui a reçu le plus d'applaudissements. Cependant, c'est de tous les ouvrages que j'ai faits celui que j'estime le moins heureux, car il n'a pas eu l'avantage de paraître devant Votre Majesté. Que me sert-il, sire, d'avoir fait tant d'efforts pour me hâter de vous offrir ces nouveaux concerts? Votre Majesté ne s'est pas trouvée en état de les entendre. Et elle n'en a voulu prendre d'autre plaisir que celui de les faire servir au divertissement de ses peuples. Ce n'est qu'à vous, sire, que je veux consacrer toutes les productions de mon génie. Cette adresse, elle est monumentale, parce que c'est impertinent, c'est vraiment une forte impertinence. Il faut quand même être culotté pour éditer sa partition. C'est pas un petit mot dans une partition manuscrite, hein. Là, on parle vraiment de l'édition. De la première édition d'Armide, il faut avoir le culot quand même pour le présenter. Il faut surtout avoir beaucoup de tristesse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Lully a parfaitement pigé que c'était fini. Et qu'à partir du moment où le roi ne l'écoutait plus, il n'irait pas plus haut, même s'il est déjà arrivé très très haut. Lully a perdu l'oreille du roi, sa fulgurante ascension s'arrête là. Le 8 janvier 1687, un an plus tard, c'est pour la guérison du roi, atteint de la plus célèbre fistule anale de l'histoire de France, que Lully répète avec ses musiciens un Te Deum. Il sait que Louis XIV ne l'entend, ne l'écoutera pas, ne l'entendra pas. Aigri, le divin Lully s'énerve contre ses musiciens, c'est une habitude, et se fracasse le pied avec une canne. La gangrène se propage, on lui dit qu'il faut couper l'orteil. On lui dit qu'il faut couper le pied, on lui dit qu'il faut couper la jambe. Il y a une très belle histoire dans les on-dit. On dit que c'est parce que la danse fit sa fortune qu'il refusa l'amputation. Lui s'éteint le 22 mars 1687 à l'âge de 54 ans. J'ai bien dit avec sa canne. Et non pas avec son bâton de direction comme on l'entend souvent. Parce que, hop, voilà. Chaque représentation que nous aurons de Lully, et je vais retourner sur la première qui est finalement la plus intéressante. Ah non, j'en avais fait une autre. Pardon. Non, j'en avais pas d'autre.
Chaque représentation de Lully, on le verra avec une partition, on le verra avec un petit bâton de direction, petit bâton dont Rousseau d'ailleurs se moquera assez largement dans son dictionnaire de la musique au XVIIIe siècle. Mais on ne le verra jamais avec un grand bâton de direction. Par contre, on sait déjà à cette époque que Lully a des difficultés à la jambe et surtout que la canne est très à la mode dans ces années 1680. Donc il est beaucoup plus probable que Lully, énervé avec sa canne, a en fait tapé de sa canne contre le sol et que celle-ci, effectivement, a fracassé son pied. Voilà. C'est effectivement sur cette mort complètement stupide, l'une des plus stupides, j'ai envie de dire, de l'histoire de la musique classique, avec celle de Bizet, je ne sais pas si vous savez, hein, qui a pris un bain dans la Seine après, enfin bref, mort de froid, enfin bref, c'est vraiment stupide. Mais bref, c'est sur cette mort complètement stupide que se clôt à la fois la vie de Lully et ma conférence, c'est ça. Merci beaucoup.